Salut les gens, c'est Tom Phoenix et bienvenue dans ce cinquième épisode du Let's Play de Planet Coaster. Et comme d'habitude, en inter-épisode, il y a eu quelques petits changements. Alors, je vous disais que je complétais un petit peu la Main Street. Enfin, déjà que je bouchais un petit peu les escaliers qui mènent à la station, donc de manière à ce que voilà, ce soit un tout cohérent. Et donc voilà le bâtiment. Donc c'est pas totalement collé aux escaliers, mais on voit que c'est propre, c'est cohérent. Voilà, les gens peuvent grimper sans aucun problème. Ensuite, toujours sur la Main Street, on voit, enfin sur la Main Street, sur la place centrale, pardon. On voit que des chemins ont été créés, un qui mène enfin à notre chemin de ronde, entre guillemets, autour du plan d'eau, donc vers nos attractions du jardin japonais, et un autre chemin qui va très certainement être amené à être modifié, mais qui part un petit peu se perdre dans ce qui sera probablement là une forêt ou un décor SF pour aller rejoindre le parking de l'hôtel, puisque on va s'attaquer aujourd'hui à l'hôtel. Dans les petits changements, je vous avais dit qu'il y aurait un chemin au niveau de cette plage, et donc voilà, il y a cette plage avec des bancs, des poubelles et des points de vue. Histoire que les gens puissent venir. Donc des points de vue, voilà. J'ai rajouté quelques pierres en plus pour baliser un petit peu, voilà. Histoire que ce soit à peu près propre. Bon, eh bien on a fait le tour des petites modifications. Du coup, je vous propose que l'on s'attaque tout de suite à la deuxième partie de la Main Street, ici. Avec les backstage en conséquence, et du coup le chemin qui va mener à l'hôtel. Allez, on est parti! Thank you.
Eh bien voilà, notre Main Street est enfin terminée avec donc une boutique que je vous ai déjà présentée au dernier épisode. Enfin, une boutique, trois boutiques pour être plus précis, hein, puisque c'est une grande boutique, mais il y a un Just a Momento, un Looney Balloon et un Hats Fantastic à l'intérieur. Oui, je vous avais dit que je mettrais plus d'articles, puis au final, je ne l'ai pas fait. De l'autre côté, du coup, de l'autre côté, nous avons un point info. Et juste à côté, les premiers secours. Alors, ils sont peut-être pas bien balisés, je vais refaire ça. Et des toilettes. Donc, c'est pas vraiment une boutique, hein, c'est plus vraiment pour de l'information, pour. Voilà. Avec une petite vitrine, alors deux petites vitrines, une avec des ballons, des sacs et en guise de déco un testeur de siège de coaster et de l'autre côté un peu la même chose mais avec une espèce de boîte de flipper, enfin deux boîtes de flipper à l'intérieur. Alors, se font face à face deux restaurants. Je vais paramétrer en inter-épisode un petit peu les spécificités du restaurant et puis je vous dirai ça au prochain épisode. Donc d'un côté un restaurant comme je vous disais un peu caserne. Ce sera je pense que je vais mettre une enseigne le 27 et puis ce sera plutôt des spécialités françaises un petit peu. Et de l'autre côté en concurrence directe un American Diner. Donc là on sera vraiment sur du cheap beef, cheeseburger, voilà. À l'arrière de nos bâtiments, évidemment, du backstage. Donc, des allées. Donc, ce que je vais faire également en inter-épisode, c'est faire un contrôle d'allée. Non, je vais le faire même maintenant. Alors, du coup, je vais rallumer l'interface. Et donc, le contrôle d'allée, c'est quoi en fait? Le contrôle d'allée, c'est des barrières qui ont été créées spécialement. Voilà, les bordures. Voilà, c'est bordure 1 mètre, bordure 2 mètres, bordure 4 mètres. Qui sont dans les catégories barrières. Et alors 4 mètres du coup. Qui ont été créées spécialement pour que les visiteurs ne puissent pas passer sauf s'il n'y a pas d'autre chemin. Et l'idée en faisant ça, c'est que nos guests puissent passer sans aucun problème, mais pas nos visiteurs. Pourquoi? Parce que du coup, nos guests peuvent aller, enfin nos guests, nos cast members, pardon, peuvent aller de la partie publique à la zone backstage sans que les visiteurs, eux, y aillent. Seuls nos cast members, nos équipes de service peuvent aller sur les chemins qui sont à l'arrière des bâtiments. Donc je vais faire pareil de ce côté-ci. Cache un peu. Voilà. Et donc là, les visiteurs ne viendront pas à l'arrière. Voilà, donc maintenant que notre Main Street est faite, bon, je mettrai des détails, hein, bien sûr, à l'arrière des backstage, mais plus tard. Maintenant que la Main Street est faite, nous allons nous attaquer à notre hôtel.
got, you rascal, you. I wonder what you got, you rascal, you. They wonder what you got, makes my wife think you so hot. And I wonder what you got, you rascal, you. Voilà, notre hôtel est enfin construit. Alors, plutôt un petit complexe, hein, puisqu'il y a quelques lodges, hein, chambres individuelles. Donc, il y a un hôtel avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je sais même plus combien, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 20 chambres plus 3 plus 5 lodges, donc 25 chambres au total pour cet hôtel. Alors, je pense que dans les commentaires, je vais avoir droit à mais ça ressemble beaucoup à l'hôtel du Silverwood Valley. Oui, en effet, ça ressemble beaucoup à l'hôtel de Silverwood Valley, quoique pas tout à fait, hein. Je suis pas aussi expert en la matière que Bill Silverlight pour faire des hôtels, mais je m'en suis inspiré fortement, mais librement, parce que j'aime bien un petit peu ce côté, on est isolé du parc, on est dans un cadre plutôt sympathique, avec un petit lac, enfin une petite mare aux canards, dans une petite forêt, voilà.
isolé du reste du parc par les arbres, entre autres, et puis on mettra des barrières pour démarquer vraiment la zone. Et du coup, voilà, de vue du ciel, ça donne ceci. Donc, on voit le parking pour l'hôtel et l'hôtel, le complexe hôtelier en lui-même, avec sa piscine. Hein, je pense que vous avez vu, j'ai tenu à faire une piscine. Piscine qui est aussi accessible à ceux qui sont dans les lodges. Et donc, il faudra très certainement redessiner le chemin, puisque là, en gros, ça part quand même très loin. En même temps, c'est pour éviter les attractions, hein, c'est pour éviter tout le souk. Donc, on verra. Le prochain épisode, maintenant que l'hôtel et que la Main Street sont faites, on va s'attaquer enfin, après 5 épisodes, donc ce sera le 6e, à du coaster. Et vous allez me dire, je suis pas logique, mais j'ai envie d'attaquer la zone des mines. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'y vois pas mal de possibilités, j'ai déjà des idées. Entre justement un train de la mine et, comme je le disais, un Flume qui va atterrir par ici, donc quitte à changer un petit peu le pont là, pour justement que ça éclabousse un peu tout le monde. Donc ce Flume et ce train de la mine qui s'entrecroiseraient et qui aurait une bonne partie Dark Ride aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ça va être un travail sur plusieurs épisodes, ça c'est certain. Un gros 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 travail. Et justement, je pense que je vais peut-être dessiner des plans hors jeu que je vous mettrai peut-être dans le prochain épisode. Peut-être, c'est pas sûr. En attendant, on arrête sur une vue aérienne du parc et je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également à partager la vidéo pour qu'il y ait de plus en plus de visiteurs dans ce parc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Tom Phoenix en direct de Gold Garden Park. Ciao!